Notion a apporté une mise à jour à l'interface graphique sur les tables, et qui est une mise à jour qui n'est pas neutre, à savoir que désormais, quand vous avez une table comme ça avec plusieurs lignes, eh bien vous voyez sur la gauche de l'écran, vous avez des cases à cocher qui apparaissent, et ces cases à cocher, eh bien elles vont vous permettre de faire des modifications en masse. Donc par exemple, ici je peux lui dire que dans le champ date, je veux mettre toutes les dates au 4, et donc vous voyez, il a tout mis instantanément au 4. Je peux faire la même chose sur les échéances, et je peux faire la même chose en fait sur tous les champs qui sont présents ici, et même sur le nom, je pourrais lui demander de tout renommer en tâche comme je viens de le faire à l'instant, et je peux lui demander de dupliquer et de supprimer l'ensemble des tâches qui ont été sélectionnées. Et si je clique ici, eh bien ça redésélectionne les tâches. À noter également que vous avez la possibilité, via la checkbox qui est dans l'entête, eh bien de la cocher, et ça prendra immédiatement toutes les lignes qui sont affichées dans votre tableau et que vous pourrez donc modifier en masse comme on vient de le voir.